Tiens, Isaac, tiens. Tiens. Tiens, Aïd Mabrouk, mon fils, tiens. Oh, il y a quoi dedans? Oh là 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 là! Aïd Mabrouk! Aïd Dik Mabrouk, mon fils. Voilà, mashallah. Tire! Goal! C'est quoi dedans? Aïd Moubarak à tous, mes frères et sœurs. Waouh, ça fait un mois j'attends ça. Voilà les gars, un bon repas du midi. Mashallah, mes frères et sœurs, on l'a bien mérité. Oh là. On l'a bien mérité. Oh là là, un rêve qui se réalise. Aïd Dik Moubarak, mes frères et sœurs. Profitez de vos familles. Que Dieu vous garde. Aïd Dik Mabrouk à tous mes frères et sœurs, à part aux Lyonnais et aux Camerounais. Orchi, délaisse la nudité, viens boire du thé. Viens, je te dis. Super. Waouh. Super ça. Prends ton ballon, prends ton ballon. Prends-en un. Elle est en train de compter vite. Elle est dessus dedans, elle n'est pas faire. Elle continue dans sa tête, ça se voit. Oh yeah yeah. Aïd Mabrouk. C'est fou quand même. Hein. T'es là, tu t'attends à rien, et d'un coup, il se passe rien. Oui, il est passé vite le Ramadan cette année. Hein. Voilà. J'ai pas vu le temps passer. Incroyable. Ah, franchement, c'était dur. Hein. C'était dur les 2-3 premiers jours. Le temps de prendre le rythme, et là, ils auraient pu rajouter un mois de Ramadan, je l'aurais fait là. Un an de Ramadan, mais facile, frère. Oh là, les gars. On dit tout ça après le Ramadan. Toujours quand c'est la fin du Ramadan, t'as les gens qui disent « C'est passé vite cette année le Ramadan. » Voilà, incroyable, arrête de mentir. Pire les gars, pendant le Ramadan, c'est les mecs qui disaient « Comment je vais faire pour pas baiser pendant un mois ?»« Wesh, ça fait 2 ans que tu baises pas. » La vie de ma mère, wesh, ça fait 2 ans que t'as pas fait l'amour. 2 ans que t'as pas de copine, t'as pas de petite amie, t'as pas d'amoureuse, t'as pas de chérie, t'as pas de crush, t'as pas de baé, t'as pas de liaison amoureuse, t'as pas de liaison sexuelle consentie. La vie de ma mère, c'est vrai. Faut arrêter de mentir un peu. Genre, c'est à cause du Ramadan, je me retiens. Arrête de mentir, frère. Oh. Tellement il baisse jamais le mec. T'es là, tu vois, t'as fait vœu de chasteté. Non, j'ai fait vœu de mocheté. Voilà, je suis moche. C'est pour ça que je fais pas l'amour. C'est la vérité, les gars. Surtout les Aziz. Genre, ouais, le Ramadan. Après le Ramadan, vous allez voir. Hein. Après le Ramadan, une machine. Je vais toutes me les faire. Hein. Casse-toi. Ils sont où les mecs qui disaient ça, les gars? Après le Ramadan, les meufs que je vais me faire. Je vais en baiser des meufs. Hein. Tu vas en baiser des bœufs, ouais. La vie de ma mère, c'est pas des meufs, des bœufs. La vie de ma mère. Ça va faire des convois en Espagne. Il y a plein de meufs, elles pensent que leurs mecs, c'est des gros voyous parce qu'ils font aller-retour en Espagne dans la nuit. Les meufs, elles pensent que leurs mecs, ils font des go-fast. Oh, ils vont au bordel en fait. Hein. Ton mec qui fait aller-retour dans la nuit, il va à la Jonquera, il revient. T'as pas remarqué que ton mec, quand il va en Espagne et qu'il revient, il est beaucoup plus léger. Il pèse 1 litre en moins. Oui, il s'est vidé le mec, ça y est.
Il revient, il est tout maigre. Tu crois quoi d'Espagne? Le lendemain, la vie de ma mère. Et la meuf, elle croit, ouais, mon mec, il fait des allers-retours en pleine nuit en Espagne. Hein, il veut pas m'en dire plus, donc je pose pas de questions. Mais je pense que, voilà, il transporte. Il transporte quoi? Voilà, il transporte des mecs pour aller à la Jonquera, c'est tout. C'est la seule chose qu'il transporte, c'est ses potes de quartier. C'est pas il transporte, c'est il transporte. Il transporte ses potes, voilà. C'est la vérité. Donc les meufs, ne crois pas que tu seras avec un mec qui fait des go fast. Il fait des go fast. Il va avoir des go. La vie. Amis, vous avez vu qu'aujourd'hui, c'est Ligue des Champions. Je vous en ai pas parlé. Eh, faut en parler au bout d'un moment, les gars. Villarreal-Liverpool, c'est quoi cette affiche de merde? Wallah, c'est un match de poule. C'est un match d'Europa League. Wallah, les gars. Oh, même les demi-finales de la C4. Wallah, qui a plus de niveau. C'est quoi ce match dégueulasse? Wallah. Oh, c'est une horreur. Moi, je propose, les gars, qu'on vire Liverpool et Villarreal et on passe à la finale City-Real. Wallah, les gars, c'est la vérité. Manchester City, Villarreal et Real Madrid, les gars, c'est une affiche de malade. Ça devrait être la finale, je suis désolé. C'est trop une belle affiche pour être une demi-finale. Oula, les gars, Villarreal, Liverpool, c'est quoi ça? Horrible! Oula, que je vois la play. Je tombe sur ce match, oula, j'éteins la play, les gars. Oula, que c'est une horreur. Même à la play, c'est nul. C'est horrible. La vie de ma mère, Inch'Allah, les deux équipes, elles se font éliminer ce soir. Inch'Allah, elles se font éliminer. Ces deux équipes qui gâchent la Ligue des Champions. Je vous dis la vérité, les Liverpool, Villarreal. Voilà, c'est une demi-finale. C'est horrible. T'as Sadio Mané, il va marquer un but. Ouais, ballon d'or, arrêtez les gars. Voilà. À part les Sénégalais, qui veut voir Sadio Mané ballon d'or, les amis? Qui? Sérieusement, qui? Personne. Il est même pas ballon d'or africain, les gars. Voilà, il va. Regardez les amis, j'ai planté l'épée dans la télé, la vie de ma mère. Et jusqu'à ce jour, personne n'a su retirer l'épée, les gars. C'est la légende d'Excalibur, la vie de ma mère. La légende d'Excaliburne. Il faut avoir des grosses burnes pour l'enlever, les gars. Je vais essayer. Normalement, je suis l'élu, les gars. J'arrive pas, les gars. J'arrive pas à retirer ce calibre de la télé. La vie de ma mère. Eh, je sais pas. Est-ce que vous voulez essayer, les gars? Lui qui veut essayer, venez à la maison. Lui qui réussit à retirer l'épée de la télé, les gars, une Play 5 offerte. Lui qui la retire, les gars.